Nous sommes sur le site de l'IUT, donc le site d'Argenteuil, où nous avons donc deux départements, gestion logistique et transport et qualité logistique industrielle et organisation. Et nous avons accueilli les industriels tout au long de la journée. Alors le grand thème, c'était écologistique. Nous avons donc fait partager les façons de faire des entreprises. Et puis nous avions invité la maire adjointe de l'environnement de l'agglomération Argenteuil-Beson. C'est avec grand plaisir que j'ai répondu à l'invitation de l'IUT parce que je suis certes une élue à l'environnement, mais j'attache beaucoup d'importance à l'activité industrielle et économique de notre collectivité. C'est un acteur essentiel du développement durable. L'IUT est sur notre commune déjà depuis un moment et je n'avais encore jamais eu l'occasion d'établir un contact avec eux. Cet après-midi, nous avons eu donc des présentations entreprises des autres intervenants différents de ce matin. Cette découverte devait donc servir de support pour les ateliers de recrutement cet après-midi, puisque les entreprises viennent recruter des contrats en alternance, niveau DUT et licence professionnelle, pour l'année prochaine 2012-2013. Je suis en Clio première année, donc qualité, logistique industrielle, organisation. Je pensais que cette formation nous amenait forcément à faire soit de la qualité, soit de la logistique, et parce que l'environnement n'est pas forcément très mis en avant dans la formation. Alors que là, on voit dans les entretiens qu'on peut vraiment trouver un poste ou un contrat d'alternance où nos missions seront fixées sur l'environnement. Je suis en première année de DUT Clio, c'est-à-dire qualité logistique industrielle. Cette année, je recherche un contrat en alternance. Je fais en fonction des missions qui sont proposées, si elles m'intéressent réellement. Puisque je pense que faire un contrat en alternance, c'est surtout pour apprendre et pas uniquement pour travailler pour la société, même si c'est important également. J'étais ravie effectivement de répondre aux questions de tous ces étudiants et puis de pouvoir effectivement leur passer des messages sur mon expérience, sur les enjeux du transport. Je suis manager de proximité à la SNCF. Donc je travaille dans la branche de la circulation ferroviaire et j'encadre une trentaine d'agents. J'ai fait moi-même le DUT gestion logistique transport. Dans mon cursus universitaire qui a duré 5 années, c'est peut-être ce que j'ai fait de mieux, c'est les meilleurs souvenirs que je garde. Et si je peux faire bénéficier de mon expérience à des jeunes qui font le même diplôme que j'ai fait moi auparavant, leur transmettre un petit peu mon parcours et essayer de les intéresser au milieu ferroviaire. On essaye de toucher bien sûr les entreprises du Val d'Oise, que ce soit les grands groupes et les PME moyennes, mais elles viennent aussi de l'Île-de-France. Donc on va avoir sur le département même 78, nous avons le département aussi 92. Je vous donne rendez-vous de toute façon sur l'année universitaire 2012-2013 avec plaisir.